Yo tout le monde, on est parti pour parler de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement en Ligue des Nations, là où on affrontera l'Italie et la Belgique. Les deux grosses nouveautés de cette première liste d'après Euro de Didier Deschamps sont les arrivées de Michael Olise et Manu Koné en équipe de France A avec Didier Deschamps. Donc on va faire d'abord un point sur les groupes de cette Ligue des Nations. Donc il y a 4 groupes pour la Ligue A, là où il y a les meilleures nations européennes. Le premier groupe est composé de la Croatie, la Pologne, le Portugal et l'Écosse. Le deuxième groupe, c'est notre groupe à nous, il y a la Belgique, nous, l'Israël et l'Italie. Le troisième groupe est composé de la Bosnie-Herzégovine, de l'Allemagne, de la Hongrie et des Pays-Bas. Et le dernier groupe de la Ligue A est composé du Danemark, de la Serbie, de l'Espagne et de la Suisse. Après, vous avez la seconde partie avec la Ligue B et la Ligue C. Mais nous, on va se concentrer que sur cette Ligue A. Dans cette Ligue A, on va regarder les favoris pour chaque groupe et ce qui attend l'équipe de France. Donc on aura un match face à la Belgique, un match face à l'Italie et il y aura prochainement après un match face à l'Israël. Donc comme on peut voir dans le groupe A, les deux favoris c'est la Croatie et le Portugal. Dans le groupe B, je dirais la France et la Belgique. Dans le groupe 3, je dirais l'Allemagne et les Pays-Bas. Dans le groupe 4, je dirais l'Espagne et la Suisse. Maintenant, après avoir abordé ces groupes, on va aborder la liste de Didier Deschamps en elle-même. Donc, pour les gardiens, on a Alphonse Areola, Mike Maignan et Brice Samba. Mike Maignan, gardien de l'AC Milan, très certainement l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Et pour le moment, il est le numéro 1 dans cette équipe de France. On a Brice Samba qui est considéré comme le numéro 2 dans cette équipe de France et qui pour le moment fait un très très bon début de saison avec Lens, avec 3 matchs et 3 victoires et une qualification en Conference League si je ne me trompe pas. Pour les défenseurs, j'ai oublié pour les gardiens, il y a Alphonse Areola bien évidemment. Personnellement, j'aurais pris Lucas Chevalier, mais je comprends le troisième gardien. C'est plutôt un gardien assez expérimenté qui connaît l'ambiance équipe de France et qui connaît le groupe. Donc à terme, je pense plutôt que Areola resterait en équipe de France et que Brice Samba sortirait pour laisser la place de numéro 2 à Lucas Chevalier. Pour les défenseurs, on a Jonathan Clauss, le retour de Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy qui est une nouvelle fois appelé, c'est bon, il a pris la confiance de Didier Deschamps, William Saliba et Dayo Upamecano. Du côté des défenseurs, le principal absent, je dirais, souvent appelé par Didier Deschamps, c'est peut-être Benjamin Pavard, le défenseur français, et là c'est un choix de la part de Didier Deschamps, il ne l'a pas pris tout simplement, et il a fait ce choix-là, Didier Deschamps, c'est un choix assez fort, là où il permet à Wesley Fofana de faire son retour et donc une émergence de la jeunesse et peut-être une fin de l'ancienne génération avec Benjamin Pavard, cette génération championne du monde 2018. Sinon, on a des joueurs qui sont souvent appelés en équipe de France, que ce soit Konaté, Saliba, Upamecano, Koundé, ce sont des valeurs sûres et ce secteur défensif a été très, très impressionnant à l'Euro et pour moi, la défense a été le secteur le plus satisfaisant lors de cette dernière compétition continental du côté de l'équipe de France. Le milieu de terrain maintenant, on n'a que 5 milieux, c'est la partie sur le terrain où il y a le moins de joueurs qui sont appelés, mais si on se met d'accord, il y a Antoine Griezmann qui est considéré comme un milieu de terrain dans cette équipe de France. Donc on a Youssouf Fofana, N'Golo Kanté une nouvelle fois appelé, donc lui aussi il a repris la confiance de Didier Deschamps, et on a aussi Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Donc pour le milieu de terrain, on a l'arrivée de Manu Koné, lui qui a fait un tournoi olympique assez exceptionnel. Et donc va falloir le surveiller et il va avoir du temps de jeu à mon avis. Il va avoir du temps de jeu, notre ami Manu Koné. Donc attention à lui. Il va potentiellement pouvoir avoir son mot à dire. Et pourquoi pas à terme aller chercher une place de titulaire dans ce milieu de terrain de l'équipe de France. Parce que Aurélien Tchouaméni, ça c'est indéboulonnable. Antoine Griezmann, il est sur la fin de l'équipe de France d'ici 2-3 saisons, au grand maximum, après la Coupe du Monde 2026. Ce sera un joueur, à mon avis, qui prendra sa retraite internationale. Donc Manu Koné, il y a quelque chose à jouer dans ce rassemblement. Et Warren Zaïre-Emery, qui est tout le temps appelé, lui, il est jeune. C'est vraiment l'avenir de l'équipe de France et du milieu de terrain. Et il va falloir compter sur lui. Maintenant, on passe aux attaques. On a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, le nouveau sélectionné en équipe de France A, et Marcus Thuram.
Je pense que l'attaque qui va être choisie par Didier Deschamps, ça va être Bradley Barcola, Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé sur le flanc droit. Ce que j'aurais fait, moi, j'aurais mis Bradley Barcola sur le flanc gauche, Mbappé en pointe et Michael Olise en meneur de jeu derrière Mbappé. Et j'aurais joué avec seulement deux attaquants parce qu'on sait que Mbappé, c'est pas un joueur qui est bon en pur numéro 9. On le voit actuellement au Real Madrid et on l'a vu quand il a joué numéro 9 avec le Paris Saint-Germain. Donc à voir comment ça va être agencé. En tout cas, pour moi, Bradley Barcola doit être installé de ce qu'il nous montre sur ce début de saison, ce qu'il nous a montré à l'Euro et sur la fin de saison dernière, notamment en Ligue des Champions. Il faut que ce soit un joueur installé sur le flanc gauche et indiscutable. Parce que c'est peut-être l'un des meilleurs ailiers d'Europe à l'heure actuelle. Il est vraiment exceptionnel, Bradley Barcola. Donc voilà, c'est ce que je pensais de cette liste de Deschamps et de l'arrivée de Manu Koné et de Michael Olise dans cette liste des 23. On arrivera pour faire des débriefs pour les matchs face à l'Italie et face à la Belgique. Et il y aura très certainement, les gars, un live vers 17h45 pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc les gars, soyez présents parce que aux alentours de 18h, il y aura un live pour le débrief et le constat en temps direct du tirage de la Ligue des Champions. Donc voilà les gars, c'était Fimbu, je vous souhaite une bonne journée, ciao!